Au-dessus de toutes choses. Nous élevons ta grandeur. Nul autre n'est semblable à toi. Sois loué éternellement. Merci encore pour ta présence parmi nous ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Que toute la gloire te soit rendue. Dès que nous allons continuer, puisque ton Saint-Esprit avancer avec nous. Merci, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons fortement les dieux tout-puissants. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Pour la première fois, et ce ne sera pas la dernière, de s'élever en ces lieux. Un patriarche d'accueillir un des pères dans notre pays sur cette chair. Ce matin, je ne suis pas prédicateur, je suis un Jean-Baptiste. Et c'est un grand honneur pour moi. Parce que quand je suis venu dans cette nation, j'ai entendu parler de lui. De ces pères qui ont apporté le réveil et dans la nation. Papa ensemble avec notre père Haïti Nabala. Aujourd'hui, quand je le vois, Haïti Nabala. Je vois Haïti Nabala. Et tu commences à me dire qu'Azalé vivant les lots Aza 91 ans. Il a 91 ans. Est-ce que vous avez été là, Yesu Masia Maboko? Et Azotambola, Azotambola.
Toko kene na biro kosola boye asi atelemine ti azana cher azoteya. Na sepelaka na ngoluana. J'aime cette grâce. Ngai na mama toke na temps en temps. Avec maman nous allons de parce temps en temps. Parce que ngolu e vandi wana. Il y a une grâce là. Baza batata oyo ba memi réveil na mboko oyo. Ce sont des pères qui ont apporté le réveil dans cette nation. Et bazana ba expérience. Ils ont de l'expérience. Tango yoso tokenda kakuna. À chaque fois que nous allons là-bas. Na lingi kaka na yoka. Je veux juste entendre. Na koma ka mwana muke. Je deviens comme un petit enfant. Je voulais seulement écouter. Na lingi kaka na yoka tata. Parce que bazana trésor ya zambe na kati na. Ils ont un trésor de Dieu en eux. Malgré préoccupation naye ya papa. Malgré sa compassion. Préoccupation. Malgré ses préoccupations. Il y a papa na tongo alelo. Malgré les préoccupations de papa. Nous sommes privilégiés que a zala na kati na biso parce que azana ba engagement musu su fois que ne ba isinga ke 45 minutes. Et azana bisi comme ce sengeli akende. Parce que papa azo sala conférence ya ba ministre et programme ya jubilé. Parce qu'il organise les conférences de ministres et programme d'un jubilé. Oyo nous sommes aussi participants. Oh biso petro zo esika. En tant que bana. En tant qu'enfant. Et tu commences à communiquer à partir de l'élo envers ce programme au Ezoya le 29 mai. Amen. Alléluia. Amen. Nayango Eza et Sengoponangai. C'est une joie pour moi. Koyangba patriarche Munene Nambokarabiso. De recevoir un grand patriarche dans notre pays. Notre papa. Tata Nabiso. Il est parmi nous. Azakati Nabiso. En personne de papa Inkelani. Je pense nombreux d'entre vous, vous avez déjà entendu parler. C'est une joie. C'est un privilège. Toyamba papa na etumbele oyo. Kuna ko beba biso sango malamu. Totelemi toyambi. Patriarch Inkelani Charles. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Natondi nzambe mingi pour que pesa ngai opportunité na dala liboso na yo. Je remercie l'Éternel de me donner l'opportunité d'être devant vous. Pour moi c'est une opportunité. Bona ngeza libaku malamo. Pa mateku yana ngai na sikoyo pour la première fois. Pa ma première venue en ce lieu. Amen. Je suis toujours attentif. Attendre ce qui sort de cette chair. Et je suis toujours fortifié. Pourquoi? Parce que Christ est exalté. Pour être Christ oiseau tombe à main. Parce que Christ est exalté. Dieu veut que son fils soit exalté. Il a donné le pouvoir. Il a coupé sa bombe en seco. Et donné la vie éternelle. À tous ceux qui croiront en lui. Il a donné son fils. Et il a donné le Christ Jésus. Le Christ Jésus. Que par lui les gens soient délivrés par les jougs de Satan. Que le peuple soit guéri de toute maladie. Que les diables, que les gens quittent sous l'aveuglement du diable. Jésus est venu pour donner la liberté. Jésus est venu pour donner la liberté. Pour la couper ça, l'issanga de montre le monde en zambi ou à Salaki. Jésus est venu pour établir l'union entre l'homme et le Dieu qu'il a créé. L'homme a été créé à l'image de Dieu, à son ressemblance. Moto akelamane lilingipe kokokana na nzambe. Mukalu na nzambi était mon limu na muntu et c'est toujours
connecté. Et la volonté de Dieu est que l'esprit de l'homme soit toujours connecté à l'esprit de l'Éternel. Mais le diable nous a séparés. Car si Satan a eko kabola, Satan a kabuli muntu nanzambe. Le diable a séparé l'homme de Dieu. Muntu a kumi dépourvu. Et il est devenu dépourvu. Muntu a kumi pauvre. L'homme est devenu pauvre. Muntu a kumi malheureux. L'homme est devenu malheureux. Mais nzambe azali nzambe na bolingo. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Akamataki deuxième personne ya bonzambe. Il a pris la deuxième personne de la divinité. Parce que là, le vrai Dieu, le Dieu vrai et vivant, Père, Fils et le Saint-Esprit. Pour être un Zambé à solo ya bomboy, yewana Zambé tata moi na pe moli mon santo. Katina bon Zambé. Dans la divinité, Zambé a tindi la deuxième personne divine. Zambé a tindi et puis me l'a mis balé à bon Zambé. Pour être à la tanzoutou. Pour qu'il prenne chair. Pour la couyakou. Déloger Satan dans la vie à monde. Pour déloger le diable de la vie de, du peuple. Pour ne pas vous déboulonner ma canisse à monde et canama. Pour déboulonner les pensées qui étaient liées, qui étaient boulonnées par l'esprit mauvais du diable. Yamwana Yesuayaki. Voilà pourquoi Jésus vint. Pour ne vous pèser au boigna. Pour te donner la sagesse. Parce que monte pour ma zoba. Parce que l'homme était devenu ridicule, stupide. Dieu a donné la sagesse à l'homme. Mais après la chute. Mais si mais à Kokouya. Pauvre. L'homme devint pauvre dans la stupidité. Mais Dieu dans son amour. Alléluia. Yes. Dieu dans son amour. Il ne veut pas que quelqu'un ne soit lié éternellement. Il ne veut pas que moi, quelqu'un ne soit séparé éternellement de mon Créateur. Par sa grâce, il m'a délivré. Par la grâce de Dieu, il m'a guéri de toute maladie. Et Nangolou Nanzambe abiki singa na bokono nyonso. Ah, la grâce de Dieu. Dieu m'a donné l'intelligence de connaître la voix de Dieu. Et Nangolou Nanzambe, Nzambe wana pesinga mayele ya koyemba nzela pe mongongo na ye. Par sa grâce, pendant 67 ans, je suis en permanent pour annoncer la parole de Dieu. Et moula 67 ans, nami pesi mobimba. Je vis des milliers, les blancs, les noirs, les femmes et les hommes qui sont délivrés par Christ. Namoni bato ebele ya ndenge na ndenge oyo Christo akangoli. Donc Yesu azali lelo. Et Jésus est là aujourd'hui. Azala ki boso lelo azali awa. Hier il était là et aujourd'hui aussi il est là. Jésus est là. Est-ce que vous le croyez? Il y a solo Ndima. Est-ce qu'on dit un mot? Est-ce que son Ndima? Est-ce que Jésus est là? Dieu ne change jamais. Nzambe abongwa na kata mokete. Mon apôtre Sami. Tomanangai Sami. Ayebi singa ya lobi papa. Il m'a dit papa, tu vas participer dans une réunion de délivrance. Ozala na réunion moko ya délivrance. Alors que une réunion de délivrance. Réunion ya délivrance. C'est une bonne nourriture pour moi. Ezali bilei malamu pona ngai. Pona kumona nguya nzambe azali na ngopona kati na mwana na ile sanga. Pour voir la puissance de que Dieu a en son fils. Yesu azali kuluba lelo. Si Jésus te dit. Venez, vous tous qui êtes chargés. Vous tous qui êtes chargés, venez. Moi, Jésus, je suis venu t'accorder le repos. Et moi, Jésus, je suis venu pour t'aider en, dans la joie qu'il y a dans le Père. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Partout où vous êtes.
Christ est ici pour vous délivrer. Écoutez-moi s'il vous plaît. Jésus est venu en cet instant auprès de vous. Pour qu'il puisse te faire quitter de la détresse. Jésus est venu ici pour toi. Ce n'est pas moi Jésus, mais Christ en moi. Christ au kati na ngai. Christ en moi. Christ au kati na ngai. C'est la croix, l'espérance de la croix. Et ça vient lika en kembo. Il m'a dit allez de partout le monde. Annoncez la bonne nouvelle à toutes les nations. Que les signes et les miracles accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils apposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les mauvais esprits. Et c'est pourquoi il est toujours le même. Il est le même puissant. Il a la même puissance. Il a même l'amour. Il est le même. Papa. Maman, papa, maman, quelle douleur avez-vous? Jésus pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Il faut savoir que s'il te pose la question, il veut que tu sois connecté à sa compassion. Il t'appelle, il te pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce qu'en fait que tu comprennes ce qui te tourmente, j'aimerais te dire que ta souffrance, ta douleur, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ta maladie, les souffrances, les oppressions, ce n'est pas ce que Dieu a planifié pour vous. Mais par ton manque d'obéissance à Dieu, à cause il a des désobéissances envers Dieu. Car après on a consacré beaucoup de sinaï. Alors Satan a joué l'occasion. Il a poussé la yom passe. Satan a eu l'occasion de te faire souffrir. Kasinza bialigné de l'élo. Avant zungi sa yom passe na yom. Il faut reconnaître, être na zanga ki buto si et pas na nzambe. Mais Dieu veut que ce matin, avant qu'il puisse mettre fin à tes douleurs, que tu puisses reconnaître que tu as été désobéissant envers Dieu. Si Dieu te dit, je te donne droit à avoir un seul homme. Et dans ta vie, tu t'es uni à combien d'hommes? Si Dieu a dit, il t'a donné les mains, il t'a donné la sagesse pour travailler et gagner ta vie, mais toi tu vis dans le vol. Ça c'est la désobéissance envers Dieu. Dieu a fait tout ce que l'on peut manger et boire. Mais la Bible déclare biloko nyonso ezali ya kulia mais nyonso te ebongisaka nzutu ya muntu. La parole de Dieu dit que tout est permis mais tout n'est pas utile. Yango wana nzambe alingi ofungwa na misu ete biloko musunza nzambe asali bona bafuruni mebalia biloko musunza nzambe asali bona bandeke balia biloko musunza nzambe asali pwete ba bambuku na biloko nini balia mais biloko nzambe asali. Il faut
Hosanna, sagesse de Dieu. Et il faut comprendre qu'il y a des choses que Dieu a créées pour les insectes, pour les oiseaux, mais il faut avoir la sagesse de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut de nous. Même parmi tout ce que nous pouvons manger, la parole de Dieu dit que tu ne peux pas être esclave de quoi que ce soit. Tu ne peux pas être esclave de quelque chose qui ne t'apporte pas un bénéfice. C'est donné à la fumette, à l'alcoolisme, à toutes tes bosses, ça ne va pas te donner un profit. Mais mon droit est d'aller zomba, mon droit est d'aller maillé dans sa mité. Et mais l'homme qui est stupide, l'homme qui n'a pas la sagesse de Dieu, il a toutes ces choses là dans sa vie. Aujourd'hui je peux témoigner. Et l'on a repéré Salita Toli. Banda bumwana nanga, nzambi asalinga ingolu na yebiga kamwashi moko. Depuis mon enfance, Dieu m'a fait grâce. Je ne connais qu'une seule femme. Mais c'est pas facile de le dire. Hein? Et si vous allez répéter, vous allez le faire. Ce qui m'ont dit, c'est qu'il est converti à Kundimate. Quelqu'un qui est inconverti ne croira pas. Ce qui m'ont dit, c'est qu'il est lié à la conscience de Satan. À quoi qu'il est converti. Si quelqu'un est encore lié par le diable dans sa conscience, il ne peut pas comprendre ce que moi je dis. Mais par la grâce de Dieu, j'ai eu occasion. Nazui occasion de ne connaître qu'une seule femme de toute ma vie. 26 280 000 minutes. Nous avons fait 26 280 000 minutes. Dans la vie, mon partenaire. Une seule partenaire de la vie. Je ne connais pas une autre femme. Elle n'a point aussi connu d'autre homme. Alors, avec cette obéissance envers Dieu, est-ce que vous mettez la yes ou ma si à ma moko? Louba amen. Louba amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Yo kangai na bonde. Nazala ntango mingite. Je n'ai pas beaucoup de temps. Bazali ku jilanga bipai na bipai. On m'attend quelque part aussi. Nazala nyongo monene katira bomo inanga. J'ai une grande dette dans ma vie. Avec 67 ans de ministère à temps plein. Na 67 ans de ministère. À temps plein. Na tango bomo inanga mo bimba lo tomo ya nzambe. Sans compter tango nazala ki non permanent. Sans compter le temps que je fais sans pouvoir être permanent dans l'œuvre de Dieu. Depuis 1960, j'ai démissionné à la société là où j'ai travaillé. C'était une appel extraordinaire, c'était pour moi. Et là qui mêle mon corps, il y a le lengue moussous pour Nangaï. Moussala Nangaï, Moussala, ma médicament dans le laboratoire pharmaceutique. J'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique pour faire de, produire des médicaments. Dieu m'a dit, laisse ces histoires pour d'autres personnes. Parce que ces médicaments ne peuvent pas traiter la conscience d'un homme. Il m'a dit, tous ces produits ne peuvent pas traiter la morale d'un homme. Parce que na kati na conscience, na kati na morale, c'est cela se trouve l'homme. Pour être na kati ya conscience, on a des bons mots, Fandi. Et ceux qui conscience, ils sont liés par le diable. Si la conscience est liée par le diable, morale, ils sont ténébrés par le diable. Ta morale est dans les ténèbres à cause du diable. On consacre n'importe comment. Tu vas vivre n'importe comment. Mais jamais à l'obinanga. Mais Dieu m'a dit, na kupe sayon kisi. Oh, il faut traiter conscience, c'est le médicament
la parole créatrice. Il m'a dit, je vais te donner un remède qui va traiter la conscience. Ezaliloba oyekela likolo na se. La parole créatrice. Liloba oyekela likolo na se. A la pouvoir de transformer l'homme. Azana nguya ya kopongo la moto. La parole créatrice. Liloba oyekela nyoso. A la puissance de donner une morale saine. Azana nguya ya kopesa yo mayele ya malamu. Puisque Jésus a yé. Puisque Jésus est venu. Pour ne pas seulement guérir le corps. Mais si le Fils nous a franchis. Soti mwana akangolio. Tu es réellement libre. Oza penza na kati ya bonsomi. Ozui lobiku na nzutu. Tu as la guérison du corps. Ainsi que dans ton esprit. Voilà pourquoi Jésus, Fils de Dieu, il te pose la question, qu'est-ce qui te tourmente? Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu ne veut pas que tu sois guéri aujourd'hui de la jambe droite et le lendemain tu reviens encore avec une douleur à la jambe droite. On m'a imposé les mains en 1942. J'avais la maladie du sommeil. Mais le serviteur de Dieu a déclaré. Kasimosen Anzambe a déclaré. Que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit mauvais. Esprit de... Je prends autorité sur toi. Sors de ce corps. Et depuis 1942. Depuis 1942. Jusqu'à présent. Cette maladie ne peut plus revenir. Elle ne peut plus revenir à moi. Pourquoi? Bonanine. Parce que Christ lui-même a trouvé que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Pour être Christ, il y a mon corps, il y a un temple de la Monsanto. Et ça la sacoche de maladie. Que ça ne soit pas un dépotoir de maladie. Il y a un esprit qui m'a dit. Voilà pourquoi Jésus avait chassé cet esprit de sommeil. Et depuis 1942, il est là. Depuis 1942 jusqu'à présent. Je n'ai plus de piqûres contre cette maladie. Parce qu'elle n'est plus. Parce que si le Fils vous a franchi. Ce qui moi nzamba kangolio. O kangolami penza. To kangani elongo na mon fils bien-aimé, l'apôtre Sami. Et nous sommes ensemble avec mon fils, l'apôtre Sami. Nous avons une connexion spirituelle avec lui. Dès que Jésus a dit, si deux personnes sont unies, et ils sont d'accord pour demander quelque chose au Père, en mon nom, le Père va donner une réponse. Alors, moi et mon fils, nous sommes unis avec sa femme. Nous voulons demander à Dieu pour votre délivrance, pour votre guérison divine, pour votre éclaircissement, pour être dans la nouveauté de vie, que tout le monde constate que tu es chrétien. Osana crédibilité misgaïos. Yes. Osana crédibilité. Que vous ayez la crédibilité partout. Yo olumwa la culpabilité na motima na yo. Que vous quittiez de la culpabilité dans votre cœur. Parce que le sang précieux de Jésus. Pote makila na Yesu. Nous a libérés. Et si kangoli biso. Nous a lavé. Et si sukoli biso. Nous a franchi. Et si kangoli biso na ba. Tous les tâches de ce monde. Na bindo nyonso ya mokili. Alléluia. Amen. En Christ nous sommes sûrs. Nous sommes justifiés. Katina Christo tokomi ba yenge bene. En Christ nous sommes adoptés.
Kati na Christu tokomi nde bana nzambe. Tokoti na famille de Dieu. Nous avons intégré la famille de Dieu. Tokoki kubele la Abba Tata. Nous pouvons dire Abba Père. Abba Tata. Abba Père. Pourquoi? Parce qu'il y a l'adoption. Boete tokomi bana. Il y a la rédemption. Dans une lisiko. Lisiko kati na ba boulot ma bé. Oyo satana kanga molimo na muntu. Nous sommes rachetés de tout tourment, bien de tout lien que le diable a lié. Mais tout est déboulonné par la puissance de Dieu. Car si nous avons dit, nous sommes tous qui est fungouami. Et ça dit déboulonné. Nous sommes fungouami. Satan a dit, aux la libre. Le diable ne veut pas que vous soyez. Il y a la rédemption en Christ. Mais car si nous avons Christ au lycée, c'est pourquoi aujourd'hui nous témoignons que Christ est ressuscité. Yes. Il a vaincu tout puissance de malheur. Le tombeau est vide. Kunde zali polele. Le tombeau est vide. Kunde zali polele. Ceux qui sont stupides. Ils cherchent Christ parmi les morts. Mais comment cherchez-vous le vivant parmi les morts? Non, il n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus dans le tombeau. Il a ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il a ressuscité. Il est le même Christ. Yes. Il est avec nous. Wanande Christ, mon coisel, mon abisson. Nous sentons la puissance de son résurrection. Yes. Nous déclarons par la puissance de la résurrection du Christ. Nous déclarons au monde. Nous déclarons dans mon kili. Et Christ est ressuscité. Et Christ, toi, c'est quoi? Tout baoyonso, bazali kubunga, la prédication de la croix, c'est une folie pour tous qui périssent. Et bon abato nyonso bazo bunga côté ya sanguelamu ya ekulusa Christu bon abato basengeli kokufa ezande lokola likambo aliboma. Mais pour tous qui sont sauvés, kasi bon abato nyonso babiki sami, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Ezali nguya na nzambe. Alléluia. Et c'est pourquoi nayango nous les témoignons aujourd'hui biso tozo tato la lelo qu'il est ici. Azali Awa. Azali Awa. Il est là. Yesu Azali Awa. Yesu Azali Awa. Yesu Azali Awa. Nabiso. Yesu Azali Awa. Yesu Azali Awa. Yesu Azali Awa. Nabiso. Oh, Yasara. Alleluia. Il a dit partout vous annoncerez ma résurrection, je serai là présent. Comment est-ce qu'on peut procéder pour la prière de tous qui souffrent? Guide-moi s'il vous plaît. Parce que je sens la guérison. Poète Nazoyoka et pas Colombien Lobico. Lobico, nous vous quittons, nous vous quittons. La guérison est là. La guérison est là. Alléluia. Lobico, il y a des pelpénaillons. La guérison est là, si proche de vous. Et ceux qui vont nous dire, si tu crois. Tu vas recevoir. Tu vas recevoir ta guérison. Selon l'analogie de ta foi. Yes.
selon l'analogie de ta foi. Nenge kondima na yo landisami. Nzambe akuzungisa na yo yano. Dieu va te donner une réponse. Et il va te dire ce matin, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Mais personnellement, je suis convaincu qu'il est là. Je suis convaincu que ta guérison est là. Il ne reste que vous receviez cela. Il ne reste que vous croyez en ce que vous avez. Ayez la joie que votre guérison est là. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Maintenant, j'aimerais prier pour vous. Il n'y a pas moyen d'imposer les mains à chacun. Non. Mais je crois que Dieu va te toucher tout de suite là. Kaka sikoyo. Et sikoyo zali. Partout où tu es, tu vas poser ta main là où tu as mal. Je te recommande. Ayez la foi en Christ. Salana kondima, dime la Christo. Kamata loboko ya yo. Prends ta main. Selon ta foi. Si monsieur ya kumona passe. Pose ta main là où tu as mal. Si à la tête, pose à la tête. Si à la tête, pose à la tête. Si au ventre, pose au ventre. Si au dos, pose au dos. Si aux jambes, pose aux jambes. Sois prêt à recevoir ce que Christ a préparé pour toi. Selon l'analogie de ta foi. Moi je le crois. Je crois en cela. Je crois en cela. Recevez. Pose ta main partout où tu as mal. Ne sois pas distrait. Pose ta main là où tu as mal. Le moment est là. Il est là, il descend. Il est là, il descend près de toi. Il voit ton désir. Il voit ce que tu projettes. Reçois avec foi. Touche avec foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui souffre. Tout ceux qui souffrent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'ils soient guéris, Babika, qu'ils soient guéris, Babika, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois ta guérison, il est là, Azalia, 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 il va changer. Il n'a pas changé. La bonne humanité. Yamaye. Recevez-le. Yamaye. Recevez-le. Yamaye. Accueillez-le. Yamaye. Yamaye. Recevez-le. Alléluia. 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 Il est le même Dieu. Azanza me manque. Alléluia. Alléluia. Yamaloubi Kunayo. Reçois ta guérison. Celui qui est malade. A ton sommet là. Vous allez voir. Tu as un mion. Tu as des myomes. Tu as diverses maladies. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Au nom de Jésus. Na komo na Yesu. Tu es libéré. Tu es libéré. Au kango la mi. Tu es libéré. Au kango la mi. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Le loisir mon col au kango la ma. Tu ne vas pas rentrer avec tes liens. Soyez déliés. Soyez déliés. Au nom de Jésus. La puissance de délivrance. La puissance de délivrance. La puissance du malheur. Sors. Sors. Bima. Sors. Bima. Alléluia. 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 Oh Dieu. Alléluia. Bonne là. Oui. C'est la présence. Yes. Et c'est demande que la puissance. Alléluia. Se manifeste. La puissance de guérison. Bouya et l'obico. L'autorité de Jésus. Yes. Yamba. Reçois.
Reçois. Alléluia. 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 Oh Seigneur, tu es venu pour me délivrer. Tu es venu pour me délivrer. Tu es venu pour me déclencher. Tu es venu pour me guérir. Je crois à ta puissance. Je crois à ta parole. Alléluia. 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 C'est parce que nous avons passé. Nous avons Yesu. Nous avons la fondée. Yo malade. Bémal, malade sort. Alléluia. Tamoula le roumla Yesu. Marche au nom de Jésus. Commence à marcher au nom de Jésus. Yaka, yaka, tamoula le roumla. Marche. Soko mou l'arrête mon âme. Soko yoka rete yoka. Tu n'entendais pas. Soko mou l'arrête l'oba. Parle si tu es délivré. Au nom de Jésus. Tu es délivré. Aucun volami. Tu es débloqué. Aucun volami. Tu es libre. Au commis mon sang. Yaka, yaka, yaka. Réclame votre délivrance. Alléluia. 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 Papa, azoche bango loboko. Imposition de main. Baoyo bakomi liste pour la guérison prière. Tout le monde batu oyo bazana papier. Oh yes, papa ko imposé bango maboko. Va imposer ma boko, ok. Jésus. Yes. Soir. Non, dis Jésus. Yambana, comme on l'a dit. Libéré. Kangolama. Soyez libéré. Kangolama. Tu es libéré au nom de Jésus. Au Kangolamina, comme on l'a dit. Tu es libéré au nom de Jésus. Au Kangolamina, comme on l'a dit. Tu es guéri au nom de Seigneur. Au Pikisami. Alléluia. Alléluia. Tu es guéri au nom de Jésus. Au Kangolami, au Pikisami. Soyez libre au nom de Seigneur. Kangolama. Alléluia. Soyez libre au nom de Jésus. Kangolama na komona. Tu es délivré au nom de Seigneur. Basingado e katalina komona. Tu es délivré au nom de Jésus. Au Kangolami. Tu es guéri au nom de Seigneur. Au Bikisa. Alléluia. 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 Soyez guéri au nom de Seigneur. Bikisa na komona. Soyez guéri au nom de Seigneur. Bikisa na komona es. Reçois la guérison divine. Yambalo diko. Alléluia. La délivrance de notre Seigneur. Alléluia. 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 Soyez guéris au nom de Jésus. Biki Salama. Dambula. Marche. Dambula Mikulayo. Marche. Dambula Yesu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez guéris au nom du Seigneur. Biki Samana, comme on est. Alléluia. 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 Dis encore. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Christ est la prière. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Ton bête est lié sur ma boucle, ma casse. Bêta, 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 bêta. J'aimerais prier. Et sans que quand tu vas quitter ces lieux, Christ. Que vous soyez témoin de Christ. Dis à celui que tu vas rencontrer. Je crois en ce que Christ est mort pour mes péchés. Il a été enseveli à cause de moi. Mais il est ressuscité par la puissance de Dieu. Moi, je suis
personne ressuscité. Yesu alongi singa ina kufana ye. Jésus m'a rendu vainqueur par sa mort et par sa résurrection. Je suis son témoin. Nazali motatoli. Nazali motatoli na ye. Je suis témoin de Jésus. Et te ya bumwanite. Qu'il n'a pas changé. Nazali kibwa zoba. J'étais stupide. Nazali kibolili. J'étais dans les ténèbres. Mais Jésus a éclairé mon monde. Mais Jésus a éclairé ma vie. Je ne peux plus rentrer dans la stupidité. Je ne peux plus rentrer dans les péchés. Je me suis repenti. En Christ. Katina Christo. Tata nangai na rikolo. Mon Père céleste. Levons tous nos mains. Tombra ma bobo. Élève tes mains. Tata nangai na rikolo. Mon Père céleste. Le Dieu qui écoute les prières de ses serviteurs. Parce que je parle selon ton ordre. Ta parole est tombée sur la bonne terre. Et que ça puisse produire certains 100, certains 60, certains 30. Puisse cette assemblée soit soleil dans le ténèbre. Puisse cette église soit un modèle à suivre. Puisse cette église être exemplaire parmi tous ceux qui citent le nom de Jésus. Et puis les serviteurs de cette église, banda apôtre Samuel, les fils de l'apôtre Samuel, et la maman, ainsi que maman, et tous ceux qui les entourent, gardent cette puissance de Dieu. Gardez cette puissance. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Puisqu'il puisse demeurer dans la constance avec le Saint-Esprit. Quel est le foyer? Ma foyer na bango. Pe ma bota na bango. Et ça ma foyer sitar. Amen. Zambira tondi. Dieu, je te remercie. Ceux qui ne sont pas encore mariés. Chacun a sa femme, chacun a son homme. Puisque tu accomplisses, que tu occasionnes les rencontres qui se marient. Qu'il quitte l'impudicité, qu'il quitte l'adultère. Mais pas selon la volonté de Dieu. Yes. Qu'il se marie. L'Andissa Mokano Nanzambe. Je te bénis. Seigneur, je te dis merci d'avoir béni ta parole. Je crois que je suis canal de bénédiction pour quelqu'un. Acclame Jésus. Acclame, acclame. Qu'il soit là parmi nous. Je crois qu'il reviendra incessamment pour être source de bénédiction. Le temps de témoignage. Petela Yesu maboko makasi. Papa Carlos Azope Sanzabe, merci. Témoignage n'est à Liboso Alobi autrefois. Avant tout, Ana Yesu Masia, parce que Alobi c'est un homme en uniforme. C'est un homme en uniforme, ça veut dire Azam Mpinga. Et alors, bien avant que tu aies un Zambé, Azalaki na vie, au local, au papa Nkelani, au Tiko Lobanabiso, Yemo Konda Lobi, Zagina Vimoroya Malonga, tu as occupé ma rambo en Zambé, c'est ça, papa. Et Azagina n'a ramené à ma sanga et tout, jusqu'à ce qu'un jour, Azaiko Tambo Lananzela, Azo se rendre quelque part. Et tant Wazo Kende, Aoki, subitement, Nambalakata, c'est comme si Mutumoro a bloqué ma boko na ye. A bi pamba boye, fièvre te, Mutu pas cité, mais ma boko paralysé, ezo bougé li soussouté. Et papa a zui Mutu kanalombangu a zongi, a kye koutou koutana mwasi na ye, basali nyoso o baroyer o sala.
Que soit traditionnel, et à la moderne, mais changement est atte na kombo na Yesu. Ti moi si nae, azala cannabiso banda kala, et a invité qui papa, alors bito kende, na avenue Vista numéro 6, Yesu Masia, azala kana rendez-vous kuna, a kangola kabatu. Est-ce que Robert est la Yesu Masia, maboko makasi? Papa, alobi tangu bayaki, selon calcul nae, Azele koze la kaka ke ambassadeur de Samuel a simbaye. Alobe penda so kaka a simbingai wanande na wakobika. Mais nous avons un Dieu omniscient, un Dieu omnipotent. Sans même que Mosali Nanzambe a simbaye. Mosali Nanzambe a déclaré kaka. Et si ka ozali, et lokonyo sezo tungisayo, eza la malade na yo, natanga kombo to natanga yangote. Yebake o kangolami. Papa la biso bi tangu liloba wane bimi azongi na ndaku. Ye mutu bakomaki ko liesa ye lokola bebe po maboko ezo bujete. Alobi azongeli ko sala ba mouvement na ye nyoso azalaki geri a 100% yarando zo pesa nzambe merci. Est-ce que Robert la Yesu Masia maboko makasi? Papa Carlos vient rendre gloire à l'Éternel. Il a plusieurs témoignages. Pour le premier, il dit merci à l'Éternel pour la guérison en ces lieux. C'est un homme en uniforme, c'est un militaire. Il avait une vie assez désordonnée avant de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et un beau jour, pendant qu'il était en chemin en train de marcher, il a senti ses mains paralysées, ne sachant pas bouger. Et quand il est rentré à la maison, il en a parlé à sa femme. Ils sont allés consulter plusieurs médecins, notamment celui de notamment moderne ainsi que traditionnel, mais aucun changement. Et sa femme qui priait avec nous ici depuis un certain temps, l'a invité en ces lieux. Et notre papa, en venant, son attente était à ce que l'homme de Dieu, l'ambassadeur d'Ao Samuel, puisse imposer la main sur lui afin qu'il soit guéri. Mais quand il est arrivé en ces lieux, l'homme de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit, a fait sortir des paroles de déclaration. Et quand il est rentré à la maison, lui qui n'arrivait plus à manger, à faire aucun mouvement, il a repris ses facultés. Aujourd'hui, il est en parfaite santé. Voilà pourquoi il vient rendre gloire à l'Éternel. Moye mbinzembo mora lobi nzambache ambouteillage à ma pamboli na vinangai. Alors bien, on a si sur peu sa merci, t'es pas dans Moussala ou bagissi promotion. N'assemblez-le, vous allez partager na yo. Papa, lobi, assis de sa y copé, sans jamais merci, t'es pas dans la guérison. Et si ka salaka, premièrement, salaire na yézala qui bloqué. Et deuxièmement, après que salaire zala bloqué pendant très longtemps, a perda qui même Moussala na yé. Et imaginez li kambouya bongo. Mais toujours, le Saint-Esprit n'a dit la mounokwa moussali nae. Alors, il y a yon so e kangama nzambe nangai a fungoli yango. Papa a yo kiri lobawana a yambiango na kondima ndenge yo pe o yambi ya lelo na kondima. Papa lobi tangu a zongi non seulement salaire o e kangama ki ezale ki debloke mais na moussala ezala ki restauré yango zo pe sans dire merci. Est-ce que Robert la Yesu Masia maboko makasi? Et pour son deuxième témoignage, papa Carlos vient rendre gloire à l'Éternel. Il avait perdu son emploi et son salaire était bloqué depuis un certain temps. Et quand il est venu en ces lieux, l'homme de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit inspiré, il a fait sortir des paroles de déclaration. Notre papa l'a reçu avec beaucoup de foi. Quand il est rentré à la maison, il a reçu la bonne nouvelle que son travail a été restauré et même son salaire a été débloqué. Voilà pourquoi il est très reconnaissant et vient rendre gloire à l'Éternel. Troisième et dernier témoignage, il y a papa. Parce que tu as synthétisé, n'est-ce pas, papa, le baki kuna le bi, ma kamunzamba sali et le kebele. Ba deux témoignages, tu as dit que ça, ma kamouzo daté il y a environ 5 ans. N'est-ce pas, papa, explique à Kingaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? A Kenaki na Boma. Et tant qu'à Keboma, Dieu a fait grâce mystérieusement et surnaturellement à Eko Koutana na Fim Boma. Yozan et Sika Oyo Foye bara toujours et Sika ambassade des Alara. Ce que vous avez congolais, vous avez dit mboka, il faut que vous mboka na zo kende ambassade à Congo à la place boue. Parce qu'on ne sait jamais. Et tant que moi, dans les Zibapé, il faut que vous se retrouvez dans Kikwit, que vous se retrouvez dans Matadi, na Boma Mwanda, eza na Lubumbashi, eza na Braza, eza na Angola, eza na Nigeria, eza na Belgique, na Afrique du Sud. Yeba ke film eza na Bisikawana, yeba toujours que vous renseignement. Est-ce que si kana kei film eza la Kaisika a Nini? Papa Lobi a Kendaki Boma pour synthétiser. Beaucoup de choses se sont passées là-bas.
et Nzamba Kangolie, mais c'était sur son chemin de retour. Akutanagi na Fimbo, akutani même na ambassadeur Azakuna, akomagi ko communier na biso mena extension ya Boma tangu akendagi kuna. Et tangu azagi na chemin retour vers Kinshasa, alobi makambo salemi tellement ba accident, mais tangu azui mutuka mala mobandi ozonga, papa lobi asali crise. Lundi oyo, c'est ezali kambo salemi lundi. Na katia mutuka asali abanino na ba vertige. Après ma vertige, papa Obi a commis pâle. Abindeng azo se sentir, donc, azo sentir comme si akoma ki séparé nanzo tonae. Denge mou azo loba. Donc, c'est comme si la vie n'était plus. De zomo na, au komi na etamoro, ozo mi mon an denge nzo tonae zomo na pasi. Et ici, kazalaki, ba luki, ba voise moyen, ba benga moro ba se nan zambe, ba bengi ambassadeur ya boma ba sambeli. Et tant que comme ah ben il peut moko ba sen nzambe nesika oyo ba sambeli pona ba bisika eloko moko tala eza lokute na papa eza lokute na bana ko banga te c'est le même esprit oyo eza na tata ya rondo sala na kati ya bana alobi abengi mosen nzambe na Kinshasa c'est papa ozana nini ona sana mai ok mai wana kaka ba sambeli pona ngo e komi makila na Yesu mela abenga pe ko to bisika mai wana mela yango lisusu. Papa lobi Amélie Maiwana basali ba mystère du royaume le l'autre ça mercredi ezali kambo salema ki lundi. Mais après lo sambo ya basali na nzambe. Après mystère du royaume parce qu'elles ont précédé que basambe le pone mardi na 2h. Mais après makamwana nyonso mais par la grâce de Dieu. Papa Nabiso aza complètement rétabli. Ya ronda zo tele maliboso. Bona koyo ki sa satana soni pe koloba na yo ata yo monye lorote men nzambe ya tata na ngai deja sali quelque chose na vie na yo. Est-ce que robete la Yesu Masia maboko makasi. Et pour son troisième et dernier témoignage, papa Carlos vient rendre gloire à l'Éternel. Il s'est rendu à Boma pour certaines activités et il a rencontré l'homme de Dieu, notre ambassadeur JC qui s'y trouve. Et il a commencé à communier là-bas avec Fim Boma. Son chemin de retour, c'était le lundi, il était dans le bus, il a eu une crise en commençant à sentir des vertiges. Et vers 2h du matin le mardi, ils ont contacté Fim Kinshasa ainsi que Fim Boma qui ont prié pour lui. Ils l'ont demandé de prendre l'eau qu'il avait, ils ont béni. Il a fait le mystère de royaume et aujourd'hui nous sommes mercredi, il est en parfaite santé. Il a été restauré, voilà pourquoi il vient rendre gloire à l'Éternel. Telema biskezio. Telema lokola mutaza na makasi mwana 91 yana. Telema. Lelo yotozo bima na deux bénédictions. Loba amen. Eza bénédiction ya bonne santé na bénédiction ya longévité. Sani nengo za malade okotaki na ngo na ndimeli nzambe ya papa na ngai Yesu Masia esetikali ya. Na yoki amen na yote. Na lui malade wana etikali ya so bimi keri. Même à ta au sentier et l'eau côté nakati et vous allez là le rôle à baldi les prêts car en anzela tant bazo kende batala karabo et bamonika balè prangwe se kendaki nanzela maladie wane ko kende na pongi zamba ko visiter maladie wane kei zamba ko visiter na délivrance na se ya pongi na bin zamba ko visiter na délivrance na se ya pongi pe nanzela dengo zoke na sambeli pona yo. Ata basi ba bongise la ki o serkei. Bazwa ki o batia ki o deja na kati. Balobi tosito kundaki ye. Ye sili tosito sali matanga na monde spirituel. Etika lika ato celebre li wana ye na monde fizik. Je t'annonce la bonne nouvelle. Awa papa nkela ni aite ibiso awa. Nangolo anzambe nonante ya na aza viva. Yamba onksua longevite na kombo na ye. Nabi yamba onksua longevite na kombo na yes. Nabi yamba onksa longevite na kombo na yes. Nabi yamba onksa longevite na kombo na yes. Nalobi serke na bango wana ekokunda bango moko. Nabi ekokunda bango moko. Yoko kufate. Oko kufe la pete. 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 Atande kona yo mwana na yo waza na hopital wana. Apiki sami deja. Nalobi abiki sami deja. Nalobi abiki sami deja. Nalobi abiki sami deja. Nalobi abiki sami deja. Na ye ko bo annonce bonne nouvelle. Musala na ye kufaki wana esekwi.
Musala na yo kufa kwa nesekwe. Musala zala yo kotambo la teba na kotambo la malamu. Musala zala yo kende liboso teba na kende liboso. Sante na yo esekwe. Finance na yo esekwe. Libala na yo esekwe. Nyoso ya yo esekwe. Oko kufa tepe oko kufa na te. Oko kufa tepe oko kufa na te. Oya timola kilibulu pona na komona ya zokota yeboko. 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 So let me sing my song as I lift my voice.